Bon, alors, pour leur faire un motif répété côte à côte, menu édition utilisé comme motif. Vous n'avez pas besoin de faire de sélection si vous utilisez toute l'image. Donc, édition utilisée comme motif. OK. Ça a été envoyé dans la palette des motifs. Alors, je vais me renseigner sur la taille de l'image. Image, taille de l'image. Elle fait 1300 sur 1300. La mienne, ça veut dire que si je veux la répéter 4 fois, je dois faire une image de 2600 sur 2600. Si je veux la répéter 16 fois, ça va être une image de 5200 sur 5200, si je calcule bien. Enfin, 4 fois 1300, ça fait combien? Ouais, ça devient difficile. 5002 sur 5002, ça va faire 16 fois l'image qui se répète. Donc il faut quand même faire attention à ça. Quelle est la taille de l'image que vous avez envoyée dans la palette des motifs? Voilà, et une fois que c'est fait, vous allez faire une nouvelle image. Alors il n'est pas obligatoire, évidemment, que ça tombe pile poil pour mettre 4 fois l'image ou 16 fois. Mais quand même, l'image là que je vais créer, la taille est influencé par la taille du motif que j'ai envoyé dans la palette des motifs. Vous pouvez répéter. Voilà, donc une nouvelle image. La résolution, peu importe, puisque je vais rester dans Photoshop, je ne veux pas imprimer pour l'instant. Le principe, c'est que je fais un trucage photo avec la meilleure qualité possible, sans atteindre les limites informatiques de mon ordinateur. Si ça commence à ralentir au point que ça tue la créativité, c'est pas bon. Donc j'essaye de faire un photomontage le plus précis possible et puis après je vais l'imprimer à la taille que je veux en le faisant passer dans InDesign par exemple. Ce qui est une bonne solution quand on veut générer un PDF pour l'impression. Ça va permettre de faire un PDF avec tout ce qu'il faut dans le PDF pour l'imprimeur, les traits de coupe, les repères, les gammes couleurs. Et en plus, je pourrais recadrer dans InDesign, ne prendre qu'une partie de l'image. C'est vraiment intéressant de procéder comme ça. Ok, donc pixels, on est bien en pixels, parce que si vous êtes en centimètres et que vous mettez 5200 sur 5200, ça va vous faire quelque chose que Photoshop peut créer, une image de 109 gigas. C'est juste que, est-ce que l'ordinateur, lui, derrière, va suivre? Pas sûr. Parce que ça fait quand même une image de 197 000 pixels. Dans Photoshop, on est limité à 300 000 pixels. Pour ceux qui se posent la question. Mais bon, ici, c'était donc 5200 pixels sur 5200. Restons dans des images normales, on va dire, hein, parce que quand on part dans des images de plusieurs centaines de milliers de pixels ou dizaines de milliers de pixels, c'est typiquement des images scientifiques. Bon, ok. Alors, si tu veux faire une affiche, alors bon, on peut calculer. Une affiche de 90 cm de largeur et 120 de haut, qui est déjà très costaud, hein. 300 pixels par pouce. D'accord. Ok. Alors, elle fait en pixels. 10 000 sur 14 000. Bon, donc ça reste encore Ça reste raisonnable. net, j'aurais pensé que c'était plus. Alors, donc je suis sur mon image 5 000 sur 5 000 et je vais remplir le motif avec ça. Édition, remplir avec motif. Alors, le raccourci de la boîte de remplissage, c'est majuscule et suppression de caractère. Majuscule suppression de caractère, ça va appeler la boîte remplir. Voilà. Je le dis parce que c'est intéressant de le connaître. Remplir avec quoi? Avec motif. Lequel? Le dernier de la palette motif. Alors la palette motif en soi n'existe pas dans Photoshop. Dans menu fenêtre, vous n'avez pas palette motif. Mais elle est un peu partout dans Photoshop. Notamment quand vous faites du remplissage, vous la trouvez là.
Ok. Et voilà votre motif au raccord. Quand vous zoomez et que vous voyagez, vous ne voyez pas les raccords. Les petites lignes qu'on voit là, c'est le filigrane qui est mis par la banque d'images. Donc c'est le principe du motif au raccord. Ok, je vous montre la suite. Je passe en mode fenêtre. Je déplace la texture vers l'image de la voiture. Donc avec l'outil de déplacement, la voilà qui se déplace. Ha. Il faut la mettre cette nouvelle texture au-dessus de l'ancienne, comme ça, écrêtée. Et voilà, elle n'est visible qu'à l'endroit de l'ancienne. Donc vous avez vu, déplacer tout simplement la texture, elle arrive sur un calque et on place le calque au-dessus de l'ancienne texture. Et vous avez vos ombres et reflets qui sont visibles. Ils sont peut-être pas tout à fait adaptés à cette nouvelle texture, mais en tout cas, c'est sympa, ça marche. Possibilité de convertir la texture en objet dynamique pour pouvoir la redimensionner, la tourner si on veut. Le petit message avec la profondeur du document, si elle est différente de celle du document source, on s'en fout un peu. Ah, il y a eu un message qui parlait de profondeur de pixels. Vous êtes en 16 bits par couche dans votre. Vous voyez, donc ça, c'est juste la profondeur de pixels. Il vous a prévenu que vous utilisez une image 8 bits par couche dans Oui, ça une. risquait d'être un peu moins Oui, de bonne ben qualité. oui. Donc logiquement, dans une image 16 bits par couche, on essaye d'amener des autres images 16 bits par couche. C'est le nombre de C'est nuances vrai par qu'hier, canal. quand on en a parlé, je l'ai laissé en 16 bits. Ou plutôt, c'est l'inverse, c'est que ta texture est 16 bits et tu l'amènes dans une image 8 bits. Parce qu'il m'a fait par rapport au fichier source. Donc c'est juste. Enfin, bon, ça n'a pas trop d'importance ici. Bien, bien, bien. Donc, vous avez fait un objet dynamique, comme ça vous pouvez transformer autant de fois que vous voulez la texture. Si ton calque de la texture, l'ancienne, était activé, quand tu as déplacé la nouvelle texture, elle arrive directement au bon endroit. Mais moi, c'était le calque d'arrière-plan, donc il est arrivé au-dessus du calque d'arrière-plan, j'ai dû redéplacer à cet endroit-là. Bon. Alors, si j'ajoute un masque de fusion, calque, masque de fusion, tout faire apparaître. Enlever la chaîne et travailler dans le masque. Voilà. Je vais pouvoir fusionner les deux textures. C'est-à-dire rendre invisible partiellement celle-là pour que celle d'en dessous apparaisse. Donc je viens de faire calque, masque de fusion, tout faire apparaître. Calque en haut de l'écran. Dans ce masque, je vais pouvoir dessiner avec une grosse brosse floue en noir. Ce qui correspond un peu à dessiner avec un dégradé, en fait. Hein. Si je prends le pinceau, donc, je dessine en noir, je vais pouvoir faire une fusion. Voilà. Je viens masquer l'arrière de la voiture. Je redessine en blanc, il réapparaît. Je redessine en noir sur l'avant. C'est maintenant l'avant qui est masqué. Donc voilà, vous dessinez au gros pinceau flou en noir dans le masque, ça revient au même que de mettre des dégradés. Ouais, mais alors faut régler la durée. Voilà, c'est vous qui voyez si c'est ça que vous faites. Sinon, voilà, je peux aussi ne pas utiliser le masque, il est rempli de blanc à nouveau. D'accord? Donc il laisse apparaître toute la texture et je peux mélanger cette texture-là avec celle d'en dessous en changeant son mode de fusion. Voilà. Le mode de fusion. Je vous rappelle que si je vais avec un outil qui n'a pas de mode de fusion, comme l'outil de déplacement, je peux utiliser le raccourci clavier pour changer le mode de fusion du calque. Donc c'est majuscule plus et moins. Voilà. Joli. Avec ça, vous pouvez aller vendre du sucre en poudre dans les quartiers. Non.
Bon, n'oubliez pas que vu que ce sont des objets dynamiques, on peut mettre des filtres dynamiques, notamment de la netteté. Filtre, renforcement, accentuation. On peut aller mettre de la netteté. Voilà. La netteté sur la texture. Donc un filtre dynamique modifiable par la suite si on veut.